Alors, la session d'aujourd'hui, c'est la manière comment on peut gérer l'argent. Et puis, on va avoir la session. Il faut poser les questions absolument dans la partie spéciale pour les questions, pas dans le chat, malheureusement, chers amis. Je viens de l'Australie, je suis Adam Mavert, je suis gestionnaire du projet, je suis assistant du chef du projet, je suis hôte de notre. Vous voyez ici, je mets position. Je suis co-animateur du podcast La vie avec les frères de Leverich, agence du programme d'affiliation Leverich, membre de l'Association Générale du Monde pour la Paix. Alors, sans nous retarder trop, il faut présenter maintenant notre Martial Nyonzima qui est ici depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il est chef de projet, il est membre du conseil des ambassadeurs, vice-président du programme d'affiliation Leverich, passionné de blockchain, master en informatique, entrepreneur, conférencier. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. Oui, en fait, mes chers amis, vous savez, bon matin, bonsoir, bonne journée, évidemment. Et comme toujours, on va vérifier si le son est bien. Chers amis francophones, je vous prie de vérifier le son parce que il y a des problèmes techniques parfois. Il faut le dire sincèrement. S'il y a des problèmes, pas de problème, vous devez me le dire sincèrement. Moi, je suis interprète. Je ne peux pas contrôler tout. Alors, vous me dites sincèrement si tout va bien, si tout va pas bien. Alors, je vous prie d'inviter vos amis, vos partenaires, vos connaissances. Alors, on m'a déjà présenté. Maintenant, on va passer à notre slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous devez vous enregistrer dans Global Unit Pay et vous devez saisir l'adresse de notre site guildlinet.ch puisque nous, on est sous la juridiction, sous la législation suisse. NZ, par exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. CH, c'est la Suisse, c'est tout. Alors, sur ce site, vous allez voir des variantes. Il y aura des variantes qui vont apparaître. Vous devez entrer et ouvrir ou ouvrir un compte. Si vous êtes un novice, vous devez cliquer, ouvrir votre compte, évidemment. Et lorsque vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un novice, vous cliquez un peu autrement. Alors, on va commencer par l'ouverture du compte. Si vous saisissez votre prénom, votre nom dans les chiffres appropriés, si vous voulez créer un compte. Et outre ça, vous devez saisir aussi votre adresse email, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont indiqué des emails différentes, et cette adresse doit être la même que vous utilisez pour avoir l'accès à votre compte Leverage, parce que c'est tout synchronisé. Et lorsque vous allez le retrait de vos bonus, vos reach, le système va vous reconnaître tout simplement. Parce que si le mail n'est pas le même, le système ne va pas vous reconnaître. C'est très important d'indiquer la même adresse que vous avez sur votre compte EverReach. Alors, autour de ça, vous avez aussi à indiquer votre mot de passe. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez inventer. Ça ne doit pas correspondre à 100% à quelque chose d'EverReach, à votre mot de passe d'EverReach. Vous devez quand même confirmer que vous avez 18 ans et même plus, parce que les mineurs n'ont pas le droit d'ouvrir le compte. Dès que tout est bien, vous allez voir que je ne suis pas un robot. Il faut juste cocher, tout simplement. Et parfois, vous pouvez avoir des captcha. Vous pouvez choisir telle ou telle image pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Alors, par exemple, vous pouvez choisir les photos où, par exemple, il y a des bicyclettes, où il y a des montagnes, et là, vous cliquez, vous cochez plutôt ces images, et puis vous allez avoir une petite fenêtre à cocher, et puis vous cochez, évidemment, vous passez, et vous cliquez créer un compte, create account, pour passer à l'étape suivante, la fois passée, lorsqu'on a discuter
Ah, il y a ce qu'il y a en bouton bleu, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut une activité à faire pour passer à l'étape suivante. Dès que vous cliquez ici et vous êtes au niveau du business, notre slide suivante, et lorsque vous êtes maintenant ici à cette page, j'ai vu pas mal de gens, j'ai vu pas mal de cas lorsqu'on avait quelque chose d'incroyable, parce que les gens sont venus là. Et si votre compte n'est pas actif, vous devez vérifier votre compte, votre profil, parce qu'il y a des gens qui veulent vous demander où est-ce que je dois aller pour télécharger mes documents. Ça se trouve ici. Vous devez cliquer ici, ce bouton-là, et vous entrez dans votre profil et vous devez télécharger vos documents ou parfois il faut envoyer, on peut envoyer des documents aux spécialistes de compliance et par exemple, s'ils n'aiment pas trop les documents qui ont été présentés, ils veulent quelque chose d'extra, de supérieur, ou les mêmes données correspondent à quelqu'un qui existe en politique. Ça, c'est pas votre faute quand même, mais vous savez, les officiers de compliance, ils veulent être sûrs et certains que vous êtes la personne qui vous êtes. Vous ne représentez pas une autre personne, tout simplement. Pourquoi ils peuvent vous demander de présenter d'autres documents, des certificats, des récépissés, quelque chose qui peut confirmer que vous êtes ce qui vous êtes. Alors, ils vont essayer de vous séparer en quelque sorte d'une personne politique. Alors, si vous recevez un email qu'il faut quand même télécharger d'autres documents, il ne faut pas ignorer ça parce que les officiers ne peuvent pas vous permettre de voir votre accès parce que de temps en temps, ils doivent, vous savez, ces officiers sont vérifiés eux-mêmes aussi. Et si on vous demande des documents supplémentaires, il faut le faire, sinon la compagnie a pu avoir des problèmes parce que s'ils ne reçoivent pas les documents chaque fois, lorsqu'on vous demande une nouvelle documentation, une documentation supplémentaire, il faut l'envoyer. Si vous ignorez ça, si vous oubliez le faire, il faut pas l'oublier quand même. Dans ce cas-là, votre compte sera, vous n'aurez pas l'accès à votre compte parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'accès à votre compte si vous n'avez pas de documents. Qui n'ont été pas déposés. Alors, si on vous demande des documents, vous devez les présenter le plus vite possible. Bon, évidemment, vous devez les écrire. Alors, voilà, j'ai besoin de quelques jours pour recevoir tel ou tel document. On est en état de confinement. Il n'y a pas de possibilité de recevoir l'accès aux institutions d'État, par exemple, mais vous devez absolument informer les spécialistes, les officiers. Sinon, ils ne savent pas ce qui se passe. Si vous voulez présenter les documents ou pas, c'est pour cette raison-là qu'ils peuvent, vous savez, ils peuvent vous donner un refus, tout simplement. Alors, personne n'est intéressé à une situation pareille. Vous voyez en haut l'information sur Global WinPay. Ça, c'est le service technique info@globalunv.ch. Si vous savez, par exemple, ce bouton bleu, ça veut dire que vous avez reçu votre mail, ça veut dire que vous avez l'information sur des documents qu'il faut présenter, des documents supplémentaires. Vous savez, parfois, après la vérification, ce bouton peut arriver, encore une fois, par exemple. Il y a, par exemple, nous avons notre chambre française et nous avons un partenaire qui doit passer dans la chambre française quand même. Vous savez, il faut passer dans la salle suivante. Dès que vous avez cliqué et passé dans mon profil, vous êtes ici dans
cette page-là et vous devez ici absolument vérifier votre mail et votre téléphone portable. Alors, ça, c'est vraiment très facile à faire et vous devez absolument activer votre mail. Et dès que vous avez fait les pas précédents, ça va être vérifié. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bouton supplémentaire. Il faut juste une vérification. Ici, apparemment, chers amis, c'est pas la statue correcte, mais je ne suis pas sûr. Voilà, j'ai vu que les gens m'ont écrit avec des photos de l'écran. Je peux pas passer à la page suivante. Je peux pas passer à la vérification de mon téléphone portable ou modification personnelle. Pourquoi? Parce que vous devez passer dans un ordre. Vous avez un, deux, trois. Vous savez, vous devez faire les mêmes sections pas à pas. Alors, la première chose, c'est la vérification. Vous passez la vérification. Et vous pouvez voir qu'il y a quelque chose comme vous avez reçu un mail sur la vérification. Et si vous ne voyez pas ce message dans votre boîte, peut-être vous devez vérifier toutes les fichiers, même spam. Et on va vous envoyer ça pour la deuxième fois. Mais si ça a été envoyé, il faut pas cliquer ici. Alors, ça, c'est le mail qui va être reçu dès que vous cliquez vérifier le mail. Vous allez recevoir un message de ce genre. Ici, il faut, on pourrait faire deux choses. On peut cliquer ce lien bleu directement ou bien, ça, c'est une deuxième option. Si c'est trop compliqué, on peut copier, coller dans votre browser, machine de recherche, et ça sera plus facile peut-être. Vous choisissez votre option. Alors, vous allez venir dans notre back-office. Alors, dès que vous le faites, vous allez voir le mail de la vérification. Vous allez voir une petite case à cocher. Vérification passée. Alors, le pas suivant, c'est la vérification de votre téléphone. Il suffit de le faire, ça c'est simple, en fait, c'est une procédure simple. Dès que vous cliquez votre bouton vérifier votre téléphone, et ensuite, notre slide suivante, oui, on est ici, on est sur cette page-là, on vous demande votre téléphone, en fait, lorsque vous entrez votre numéro de téléphone, format international, en commençant par le code de votre pays. Dans cet exemple, le code du pays est 61 Australie, par exemple, plus 61 pour la Grande-Bretagne, c'est plus 4. D'habitude, vous indiquez les téléphones en indiquant 0 ou plus. C'est pour les gens qui ont passé la vérification de deux niveaux. L'autorisation Google. Et moi, je vais toujours recommander aux gens d'utiliser l'authentification avec Google. Et si, par exemple, vous allez dans un autre pays, vous allez utiliser votre numéro de téléphone, il n'y a pas de roaming ou de réseau, vous n'allez pas avoir l'accès aux SMS. Et ainsi, il y aura un autre numéro qui va être. Il y aura une attaque de hacker et via SMS, ça va être plus simple d'utiliser l'authentification Google. Alors, ce sont deux pas.
Vous voyez maintenant que les deux vérifiés, les deux sont vérifiés. Le pas suivant, c'est l'information d'identification maintenant, Eden, qui va vous parler ce qu'il faut faire pour, dans le contexte de l'information. C'est là, on va reconnaître votre image, vous avez quelques secondes pour... Alors, chers amis francophones, j'arrête la traduction. Je vais revenir dans 1 minute, vu qu'il y a des problèmes techniques apparemment. Alors, chers amis, on vous explique et vous pouvez le lire facilement ce qu'il faut faire. Malheureusement, en tant qu'interprète, je ne suis pas capable de vérifier le son. Vous savez, vous me dites que ça marche pas. Chers amis francophones, je vous prie de m'envoyer le message. Je ne comprends pas ce qui se passe techniquement. Je vous prie de lire les indications qui sont ici et sur les slides. C'est un peu bizarre parce que ça a toujours marché, ça a toujours bien marché le système.
Chers amis, je pense que ça doit aller mieux, mais écoutez, je vous prie de lire ce qu'ils disent. Normalement, c'est clair, et je vais changer un petit machin technique. Excusez-moi, ça va prendre une minute. En deux points, en deux points, en deux points. Chers amis francophones, je vous prie de lire attentivement les instructions. Normalement, ils répètent tout ce qui est dit. Alors, vous n'allez pas manquer les choses. Moi, je vais essayer de me connecter. Alors, malheureusement, je n'entends pas le speaker.
D'ailleurs, chers amis francophones, je continue, excusez-moi. Alors, vous devez être très vigilant lorsque vous confirmez, vous faites la confirmation. Vous êtes un personnage politique, vous ne l'êtes pas. Alors, vous devez indiquer que l'information, c'est correct. Alors, notre slide suivante. Alors, il y a encore un moment qui... Ça, c'est le numéro d'identification de votre numéro, notre numéro de payeur de taxes. Il ne faut pas paniquer. INN, ça, c'est l'abréviation qui est utilisée aux États-Unis. Il y a des analogues dans les autres pays. Ça, c'est le numéro de votre payeur de taxes. Alors, vous l'indiquez ici. Et si vous n'avez pas de numéro de ce genre, vous devez cocher. C'est en gris. Il n'y a pas de numéro. Et dans les commentaires, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas de numéro. Il y a des pays où les gens ne payent pas les impôts, tout simplement. Les pays arabes, par exemple, vous indiquez, moi, je ne paye pas les impôts parce que nous, dans notre pays, on ne les paye pas. Et regardez, vous devez écrire le pays de votre résidence, le pays où vous êtes le payeur de taxes, votre juridiction primaire. Il y a des exceptions, évidemment, mais d'habitude, si vous êtes cette exception, vous pouvez cocher. Alors, s'il y a des exceptions, je peux, par exemple, écrire que je suis résident, par exemple, d'un pays, mais je paie les taxes dans un autre pays. Ça peut arriver. Ici, je vais ajouter aide additionnelle. Ça veut dire qu'il faut ajouter de l'information supplémentaire. Vous n'aurez pas de problème si vous ajoutez de l'information supplémentaire. L'essentiel est d'ajouter le maximum d'informations. Les vérificateurs voient que vous êtes sincère, vous avez écrit tout ce qu'il faut écrire. Tout est bien, on vérifie. Après avoir travaillé là-dessus, il faut cocher une de ces variantes, ABC, dépendamment de votre situation. Dès que vous l'avez fait, vous pouvez avancer. Regardez, il y a une explication ici. Vous pouvez lire ce que ça veut dire chacune de ces lettres. Je dois vous dire que vous devez savoir que ça, c'est votre numéro de payeur de taxes. Alors, si vous regardez ce webinaire, je vous prie de mémoriser ces mots-là lorsque vous remplissez le formulaire. Alors ici, le système va vous demander d'indiquer la source de vos revenus. Alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il y a des différences avec ce que vous indiquez, les sommes, les ressources? Ça va créer des problèmes. Le système va demander sûrement de présenter la confirmation d'où cet argent vient. Si vous travaillez quelque part, vous donnez votre certificat de travail où les sommes sont indiquées. Si vous êtes autre entrepreneur, vous montrez les documents qui prouvent vos ressources. Si vous mettez de l'argent, vous faites des retraits, vous devez montrer quand même la déclaration des impôts. Si Global Green Pay vous le demande, si
Et d'habitude, lorsque Globatune paye, fait le paiement ou vous faites le paiement, vous avez la confirmation de votre transfert. Alors, vous devez être sûr et certain que les choses que vous écrivez ici, vous allez prouver quand même. Si vous avez votre salaire, vous écrivez votre salaire. Si vous avez des sommes qui vous appartiennent, alors allez-y. Alors, vous pouvez cocher tout. Ce qui est lié avec ce qui est lié avec vous. Normalement, vous allez écrire votre salaire. Vous êtes un entrepreneur individuel. Vous pouvez choisir autre si c'est la dernière variante. Et là, vous pouvez écrire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je m'occupe de ça. Ici, si vous dites, par exemple, je suis un... Je ne travaille nulle part. Ça va pas marcher. L'information doit correspondre à la situation réelle. Alors ici, vous devez écrire la raison pour laquelle vous ouvrez le compte, selon les normes, la réglementation. Ils ont le droit de savoir pourquoi telle ou telle personne veut ouvrir le compte. C'est pour lutter contre le blanchiment de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ouvrent les comptes pour le blanchiment de l'argent. Nous, on doit lutter contre ça. Alors, pour nous, c'est quoi? Les dépenses familiales ou personnelles. Il va montrer que vous gagnez 1 million de dollars. On va vous poser des questions, ça c'est sûr. Ils vont vous demander de donner des réponses. Si vous avez plus de ressources, vous pouvez écrire les dépenses. Vous indiquez ça aussi. Vous allez éviter des problèmes dans le futur. Si vous avez... Si vous avez d'autres ressources, vous cochez là, vous expliquez pourquoi vous voulez ouvrir ce compte. Si ça n'entre pas dans le monde des sécurités, des comptes personnels, vous indiquez quelque chose, vous expliquez ce que c'est ça qu'on dépense. L'éducateur, il va le voir, il va savoir ce qui se passe. Alors, les comptes dans les autres banques, il y a des gens qui ont des comptes dans d'autres banques. La plupart des gens ont des comptes un peu partout dans d'autres banques. Et si vous en avez, vous écrivez dans quelle banque, dans quel pays, en plus dans, c'est pour simplifier le processus. Si votre argent va à notre compte, vous allez voir comment ça marche. On va passer à la notre slide suivante. C'est parfait. Et on est pratiquement à la fin. Oui, et vous voyez le pays d'où vous allez le recevoir, cet argent. Et l'argent. Le retrait est arrivé. Et vous allez voir comment ça va se passer. Il faut que vous mettiez tout de manière correcte. Alors, le pays d'où l'argent va venir, vous devez absolument indiquer
le pays d'où l'argent va venir, l'Australie ou la Grande-Bretagne, ou indiquer autre, choisir l'Union européenne, si c'est l'Union, si ce sont les pays européens ou autres, ou par exemple si c'est le pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, vous indiquez le pays dans votre cas. À droite, c'est le retrait. Alors, vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous pouvez voir ici. Alors, peut-être très vigilant ici. Vous êtes vigilant, non? Vous devez m'écouter attentivement. Alors, le volume du nombre du chiffre d'affaires sur le compte. Nous en avons parlé plusieurs fois. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais on vous demande des documents supplémentaires. Les gens ne sont pas contents. Très vigilant, il faut que, si vous voulez que tout se passe bien, vous devez choisir de 1 jusqu'à 5 000 dollars ou bien de 5 000 jusqu'à 10 000. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la compagnie qui gagne la deuxième variante de 10 jusqu'à 50 000. Oui, il y en a, mais la plupart des gens qui sont dans la compagnie, ils sont là. Alors, vous devez utiliser ce qui correspond à vos conditions. Mais vous devez vous souvenir que si vous indiquez plus de 10 000 dollars, ils vont vous demander votre confirmation, la confirmation que votre business, les sources de votre business. Vous devez confirmer que vous gagnez cet argent. Alors, si vous êtes prêt à confirmer que vous gagnez 10 000, alors choisissez la variante correcte. Ce sera plus simple pour vous si vous voulez faire des transferts importants. Alors, si vous mettez le premier dépôt qui va excéder 15 000 dollars, 15 000 euros plutôt. Vous devez vous souvenir que la source de revenus, c'est quelque chose qui dépasse 15 000. Dans ce cas-là, il faut envoyer des documents de confirmation pour confirmer ces sommes-là. Alors, la slide est la même, juste comme la précédente. Alors, notre slide suivante, maintenant, nous, on est pratiquement à la fin. Maintenant, ici, on parle du fait que vous êtes propriétaire de ce compte. Les comptes, ce sont à vous. Et vous confirmez que vous êtes vous-même. Vous devez le dire, on peut avoir des raisons tout à fait différentes. L'essentiel est d'être honnête. Alors, vous cliquez, je confirme, vous cliquez ce bouton-là, vous envoyez c'est quelque chose où les gens font des erreurs. Alors, soumettre, vous cliquez soumettre, submit, et les gens pensent, ah voilà, j'ai tout fait, je reste tranquille, je me repose. Mais vous savez, il faut entrer le deuxième code de vérification, c'est là que les gens font une erreur en fait, parce qu'ils ont cliquer soumettre.
et vous ne recevez pas ce code de téléphone, je vais le répéter, et parce qu'il y a beaucoup de demandes, de plaintes. Vous ne recevez pas le code à votre téléphone. Vous voyez le bouton bleu où on vous demande et ça va être envoyé à votre mail. Vous devez recevoir ça à votre adresse téléphonique. Et si on regarde dans notre slide suivante, vous voyez comment vous l'avez et vous allez voir que votre code de vérification est comme ça. Vous le collez. Si nous passons à notre slide suivante. Et après, vous le mettez ici. Dans cette case, où il faut non. 4A, à travers l'adresse électronique. Et après, vous indiquez le code. C'est. Nous passons à la suite suivante. Vous l'envoyez. Vous êtes à la phase de vérification et vous allez voir. Demande individuelle, c'est en processus. Si vous ne voyez pas ça devant vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas. Simplement, je vais vérifier si vous avez passé tous les pas. J'espère que vous m'avez dit cette information à votre interview. Vous aidez les gens qui sont plus bas. Alors, votre travail, c'est la commission. Lorsque vous aidez les gens, vous les invitez avec des mails, vous appelez eux-mêmes, vous les aidez. Si vous participez dans le vidéo, pareil. Alors, le dernier pas, je dois passer la parole à Eden qui va vous dire comment il faut confirmer l'adresse. Et le processus de la confirmation de l'adresse, ça c'est l'étape numéro, c'est la dernière étape en fait qu'il faut faire. Hein. Alors nous avons cliqué « Envoyer les fichiers ». Et maintenant, ça doit être important quand même. Si vous avez des questions dans le chat, dans le contexte du document qui peut être utilisé pour confirmer l'adresse. En principe, c'est la deuxième forme de l'amplification pour montrer que vous êtes un utilisateur actif. Alors, vous devez passer tout simplement cette étape. Alors, le document que vous allez choisir pour confirmer votre adresse, ça doit être original en format PDF ou JPEG. Ça ne doit pas dépasser que le document que vous avez reçu, le document tout entier, JPEG ne doit pas dépasser 10 mégabytes. Donc, ça peut être un certificat, un récépissé, n'importe quel document. Un certificat de la banque, quoi que ce soit, il faut que votre adresse soit indiquée là-bas. Hein. Ça peut être un document récent quand même, pas plus de 3 mois. Il faut que ce soit vraiment tout frais. Il faut se souvenir de ça. Alors, ça peut être votre compte, la caisse, un certificat de la banque. Vous indiquez un document pour l'identification, la carte d'identité. Moi, j'ai utilisé
Bien, toi? Lorsque j'ai reçu mon permis de conduire, ça a bien marché, parce que ça a été émis par l'État quand même. Et l'essentiel, pour qu'on soit identifié, vous devez être sûr et certain que toutes les données bien visibles. Vous souvenir doivent être émis par les autorités d'État. Copie. Puis après. Question-réponse, vous devez vous souvenir de votre numéro unique d'identité ici sur ce slide, là où vous avez votre nom et prénom, vous devez voir votre numéro unique. Il faut se souvenir votre numéro spécial, vous devez vous en souvenir. C'est pour communiquer avec le service technique. C'est les questions qui se posent premièrement, en premier lieu. Encore une chose importante, si par exemple, il y a une communication, une correspondance est envoyée, il faut indiquer votre numéro. Pour les actions qui vont être demandées, peut-être pour des messages, vous allez avoir besoin de ce numéro-là. Voilà, c'est tout. C'est notre fin. Alors, les bleus, les boutons bleus, c'est en état de processus de traitement. Alors, nous avons passé notre processus de vérification. Maintenant, on va passer rapidement sur notre liste, la liste des questions-réponses. Alors, chers amis, il y a une liste des questions-réponses. Il faut y envoyer les questions. Où les gens ne les applications complètes et l'accès au cours. Les gens pour qu'ils puissent. Peuvent déposer leurs documents. Vous pouvez avoir l'accès d'abord et puis après vous envoyez vos documents. Ça peut arriver aussi. Mais si on vous demande des documentaires supplémentaires, il faut le faire le plus vite possible. Si vous ignorez les situations,
votre compte va être bloqué tout simplement. Et on ne pourra rien faire parce que les vérificateurs ne prendront pas un risque pour que la compagnie perde sa licence. C'est clair, hein? Il faut envoyer. Les documents qu'il faut. Alors, la photo, le profil de notre visage. Alors, si vous allez dans la partie profil, je pense que vous pouvez joindre votre photo dans la partie profil. Comment est-ce que je peux envoyer mes dollars à mon compte Global UniPay, à un autre compte Global UniPay sans l'utilisation des cartes? Alors, vous avez des dollars, vous avez votre porte-monnaie, des actifs en Quantum, et vous cliquez le bouton Faire le transfert. Quand vous cliquez ce bouton-là, on va vous demander quelle est la somme et vous devez indiquer votre numéro unique dont Aiden a déjà parlé. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos transferts entre les comptes. Dans le code, vous devez avoir de l'argent sur votre porte-monnaie. Alors, il y a encore des questions de la chambre vietnamienne. Après les vérifications, comment est-ce que je peux charger de l'argent, utiliser ma carte? Alors, c'est simple. Alors, dès que vous avez votre carte, je pense que vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà, parce que vous cliquez sur le bouton, vous avez le bouton charger ou faire le retrait. Vous cliquez charger et vous êtes dans le porte-monnaie où vous avez de l'argent, vous chargez tout simplement. L'argent est dans votre carte, est déjà dans votre carte. Si vous voulez faire le retrait de votre porte-monnaie, vous pouvez faire des transferts. Alors, il faut dire que le minimum, c'est 50 euros pour le retrait. Ça, c'est vraiment la somme minimale. Et les gens comme nous, les francophones, si on a besoin d'envoyer des documents en anglais, ou les francophones, les espagnols, les portugais, les italiens, vous n'avez pas à changer vos documents en anglais parce que c'est en latin. Alors, vous déposez les documents tels qu'ils sont. Il y a le chinois, le cyrillique, arabe, les indiens, pour eux, ce sera indispensable de faire la traduction. Mais les langues européennes, c'est normal, vous ne devez pas déposer les mêmes certificats traduits en anglais. Non, il ne faut pas le faire. Le français, ça va bien. Il y a encore une question dans la chambre italienne. Est-ce qu'on a besoin du passeport ou un document, ça suffira? C'est pour confirmer votre adresse, n'est-ce pas? Alors, répétez la question. La carte d'identité électronique. Vous savez, il y a quelques pays qui utilisent, c'est permis là-bas, de présenter les cartes d'identité en tant que document d'authentification qui confirme l'adresse. Alors, je vais essayer de trouver ma liste de ces pays-là.
Parce qu'il y a des pays, vous savez, ces formes d'identification sont considérées comme un document primaire. Je pense que la carte nationale a dit ça va aller. Alors, le processus de vérification, vous allez le passer facilement si vous utilisez votre passeport international plutôt. Et lorsque vous choisissez votre pays, vous allez voir votre menu où vous allez choisir un document qui sera accepté. En Italie, par exemple, vous allez voir qu'on peut utiliser en tant que document d'identité votre passeport, votre permis de conduire. Ça dépend du pays. Et dans le menu, vous allez voir quel document sera accepté. Alors, notre chambre indienne. Ils ont été enrougés pendant 3 fois et il faut indiquer une source de revenus, notre source de revenus. Alors, quand je, dans la forme, vous indiquez la somme de l'argent. Vous savez, vous devez suivre mes conseils tout simplement. Vous indiquez les sommes qui vont être supérieures à 5 000. Vous allez indiquer quelle est la source de vos revenus. Et dans la forme, vous allez indiquer quelque chose avec une petite erreur. Il faut être attentif. Alors, regardez encore une fois sur le webinaire, même les slides écrits et la raison pour laquelle vous avez eu votre refus, la question a été n'était pas correcte, alors il faut que vous soyez vigilant. Alors, une question suivante de nos Italiens. Alors, le document n'a pas été exporté. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Alors, vous devez présenter votre passeport, si je ne me trompe. Alors, trouvez votre passeport et c'est tout. Alors, les Italiens. Pour les Italiens, on aura besoin du passeport ou une carte d'identité électronique ou papier avec l'information obligatoire. Après, vous savez, j'ai enregistré une vidéo, vous devez demander votre sponsor. C'est où cette vidéo? Je vais le trouver peut-être, je vais vous donner le link. Malheureusement, c'est en anglais. Dans la chambre italienne, en bas employé dans cette compagnie, est-ce que je dois remplir cette partie-là? Oh, je ne peux pas enregistrer une compagnie et je ne connais pas un partenaire du travail. Vous êtes occupé dans une compagnie, vous êtes employé dans une compagnie. Il faut pas enregistrer une compagnie. Est-ce qu'il faut synchroniser Unitec Global Unipay pour faire des transferts commerciaux? Peut-être la vidéo, ça sera la réponse à cette question.
Il y a encore une vidéo qui va répondre à cette question. Si vous voulez faire le retrait de Unitex à Globalité, il y a une fausse synchronisée. Vous êtes, vous savez, je vais vous donner le link. Vous savez, malheureusement, la vidéo, c'est en anglais seulement. Voilà, ça, c'est le retrait de vos bonus, de vos riches. Et l'autre chose, c'est comment vous pouvez synchroniser votre compte Unitex avec Global Unipay. Il y a encore des questions? Je suis en train de chercher la réponse à la question précédente. Avec la vidéo que j'ai déjà enregistrée. Comment est-ce que je peux faire le retrait de mes USD de mon compte aux Indes? Vous avez besoin de votre compte en dollars. Vous avez besoin d'une banque internationale, numéro IBAN, si vous faites le retrait. Et vous devez présenter aussi le numéro IBAN. Je sais qu'il y a des partenaires en Afrique qui l'ont déjà fait. Et lorsque vous faites le transfert bancaire, ça prend 6 jours à peu près. Alors, il y a une question de la chambre française. Comment est-ce qu'on peut ouvrir le compte et ne pas faire l'opération? Par exemple, moi, j'ai pas utilisé le compte pendant un mois et demi. Il n'y avait pas de question, pas de problème là-dessus. Alors, il n'y a pas de variante, ça va être bloqué, je vais. Alors, je vois maintenant. Nous avons des nouvelles concernant les nouvelles cartes. Ça va apparaître quand, ces cartes? Oui, on fait notre petit test. Il y a des gens qui font le test. Les données, on ne peut pas. Ces nouvelles-là dans votre cabinet personnel. Peut-être votre jeudi, les nouvelles vont apparaître. On va passer cette nouvelle. Il y a une question, mais on ne l'a pas compris, Martial ne l'a pas compris. Alors, vous savez, dans notre formulaire, il y a la nationalité, et vous indiquez votre nationalité principale, et ça suffit. Dans votre cas, c'est la Russie. Si votre nationalité est principale. Vous avez votre passeport russe, normal.
aussi aux hôpitaux habités en Ukraine. Un exemple. Admettons que nous vivons en Dubaï, les Arabes, mais notre passeport c'est le Royaume-Uni. Alors, si vous envoyez votre adresse, c'est Dubaï, dans votre cas, c'est les documents qui comptent d'habiter en Ukraine, mais la nationalité elle est toujours valide. Dans l'exemple que j'ai donné, c'est une nationalité anglaise. Est-ce que c'est clair? Encore une question. Pas de paiement avec la carte, ce qu'il vous faut, c'est de faire des opérations. Avec votre porte-monnaie, vous n'envoyez pas l'argent du compte dans une banque, ça ne marche pas comme ça. L'argent se trouve dans le porte-monnaie virtuel. Si vous voulez faire le retrait, vous devez faire le retrait de la carte dans votre asset et puis vous pouvez faire le retrait à la banque, à n'importe quel compte que vous voulez. Pourront faire le retrait des dollars, USDU, USDC, oui, on peut faire le retrait, mais si vous avez vos actifs qui sont ouverts, vous avez des USDC, l'adresse CoinPay, USDU, c'est pas accessible pour l'instant. Alors, vous pouvez le faire en dollars et USDC. Et si vous avez des USDC, un Unitex. Il y a encore une nouvelle question dans notre chat. Alors, l'ouverture de compte bancaire. Est-ce qu'il y a des commissions, des paiements? C'est une commission qu'il faut payer une seule fois, 200 euros. Si vous avez ouvert une banque. Alors, sur le côté de l'information, vous avez des CIA, une texte pour les faire le retrait virtuel et tout. Alors, pendant notre rendez-vous à huis clos, notre session à huis clos avec André, il a dit que il y a des documents nationaux, des passeports par exemple, où il n'y a pas de date de terminaison. Alors, 10 ans. Alors, dans ce cas-là, écrivez 10 ans. Ça, c'est dans le cas où votre passeport n'a pas de date de terminaison.
Alors, dans le formulaire, vous indiquez 10 ans. Alors, le retrait de l'argent du compte EverReach, vous ne pouvez pas faire le retrait du compte essentiel, mais si vous pouvez. Si vous prouvez que cet argent est envoyé de votre compte de bonus, mais d'habitude, recharger cet argent pour acheter des forfaits éducatifs. Et si par hasard, vous avez fait un transfert, vous pouvez prouver que cet argent, ces ressources, sont venues de compte bonus, il faut contacter le service technique et nous, on va répondre aux questions de globalité seulement. Je deviens changer mes données. Comment est-ce que je peux les changer? Des données personnelles. Si vous vous êtes vérifié déjà et vous êtes en état d'attente, vous devez envoyer les documents corrects et l'information ne correspond pas entièrement, mais il voit l'information dans votre passeport. Vous avez fait une petite faute de date. Vous avez écrit Paris sans S. Si vous n'avez pas de bouton, ça veut dire que vous n'avez pas passé. Ce bouton n'apparaît pas parce que vous n'avez pas présenté certains documents. Vous devez passer tous les pas, remplir toutes les cases du questionnaire. À chaque fois, lorsque vous voyez votre bouton bleu, vous devez suivre toutes les étapes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des commissions qui sont prises avec l'argent qui est sur le compte de BNPay? Est-ce qu'il y a des intérêts, des commissions? Autant que je sache, non. Alors, le compte bancaire, ça peut être le droit de recevoir de l'argent des autres. Alors, je vais vous expliquer les choses. Lorsque vous n'avez pas de numéro IBAN, voyez la banque qui peut recevoir de l'argent seulement sur votre compte. Alors, si vous avez le numéro IBAN, hein, ça veut dire que vous pouvez recevoir de l'argent entière. Hein. Par exemple, votre numéro IBAN, vous pouvez recevoir les ressources
du compte de l'IBAN, on peut faire le transfert en utilisant le numéro IBAN. Mais si vous n'avez pas ce numéro-là, alors vous ne pouvez pas envoyer votre mail aux opérations, vous ne pouvez pas recevoir ces paiements de votre unité selon les opérations qui sont faites dans votre compte bancaire. Et c'est pour cette raison-là que le numéro IBAN, ça c'est un avantage. Et si on parle, par exemple, de notre écran, alors vous devez vous adresser à notre groupe technique info@blablabla, c'était indiqué sur le slide. Mais les services techniques, ils ont beaucoup de questions auxquelles ils s'occupent. Mais l'essentiel, c'est que votre sponsor vous aide. C'est pas compliqué, mais je vous prie de contacter votre sponsor, votre ligne supérieure. Les autres, vous pouvez contacter le service technique, c'est sûr. Nous devons comprendre que le service technique ne peut pas être le premier contact pour vous. Et si vous trouvez quelqu'un qui se débat très bien dans ce sujet-là, c'est peut-être votre sponsor, tout d'abord. Alors, chers amis, je pense que mais un peu en retard, on peut se voir mercredi, et ça sera un webinaire pareil, et jeudi, ça va être notre webinaire d'information générale, on est nombreux, plus les gens savent comment ça marche, plus de gens pourront avoir accès l'opportunité. Si on termine la session, peut-être bonne nuit pour certains de vous, et on se voit. À bientôt. Et merci Martial, merci beaucoup nos partenaires qui ont pris part dans notre webinaire, et nous voyons que beaucoup de gens qui posent des questions très intéressantes, très importantes, mais il ne faut pas oublier que vous avez des partenaires aussi qui peuvent avoir des problèmes de ce genre aussi. Mesdames et messieurs, je vous souhaite tout le mieux. Je serai avec Martial et demain, on va parler des possibilités business. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moments positifs, incroyables. Alors, c'est toujours 15h de Moscou. Notre présentation de l'entreprise, de Robin Pay. Oui, bonne journée. Bonsoir.